Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map Shaolin Shuffle. Donc c'est un glitch qui consiste à aller à la platine de DJ de la boule disco, donc de Inferno. C'est un glitch qui va vous permettre d'être invincible contre tout, je pense. Je pense bien que ouais, même les ninjas pourront pas vous tuer. Donc le glitch, c'est d'aller ici en haut, tout simplement. Donc voilà. Alors, pour ce faire, il vous faudra le chi de la grue ultime. Donc, le chi de la grue ultime, c'est ceci. Hop. Donc, moi, je l'ai en illimité. Si vous voulez l'avoir en illimité, ben, il suffit juste d'aller dans la description de cette vidéo. Je vous enverrai. Enfin, je mettrai un lien pour vous rediriger vers un tuto où je l'explique. Voilà, tout simplement. Alors, ce glitch est très facile à réaliser. Vous pouvez le faire à plusieurs, bien sûr. Donc c'est juste qu'il faut avoir un peu les bons points de repère. Donc moi je me prends les bougies comme point de repère, je vise en haut genre ici, et j'active mon chi tout simplement. Et regardez, franchement il est très 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 facile à faire. Alors ensuite ben vous restez là et regardez, vous allez voir tous les zombies vont se mettre ici et ne vous toucheront pas. Donc voilà, attendez, je vais quand même ah, ouais. Par contre, mes shurikens passent, mais mon pouvoir du L1 ne fonctionne pas. Alors après, vous pouvez aller sur ici, donc tout simplement vous sautez. Même ici, hein, les zombies ne vous touchent pas, ils vont speed up juste là où je tire là, et ils ne vous toucheront pas. Après, vous pouvez aussi aller dans le baf. Et bon, dans le baf, vos balles passe à travers, mais pas vos shurikens. Vous voyez? Shurikens ne passe pas à travers le baf. Par contre, vos munitions, oui. Après, vous pouvez aller sur la platine, mais faites gaffe parce qu'ils peuvent vous toucher, vous voyez? Depuis la nouvelle mise à jour, bah, ils foutent des baffes de plus loin, j'ai l'impression. Donc voilà, vous pouvez vous mettre dans ce coin-ci aussi. Et vous pouvez même monter en haut tout à l'heure. Enfin, quand j'ai voulu faire cette vidéo, mais que je me suis file, eh ben, ça n'a pas enregistré en réalité. J'ai réussi à aller au-dessus sur les baffes. J'étais un peu choqué. Donc j'avais utilisé mon chi en illimité. Je crois que j'avais regardé vers le sol, non, même pas. Comment j'avais fait? Je sais pas du tout comment j'avais fait. Coup de chance, hein. J'avais réussi à aller monter là-haut, mais après, voilà, ça sert à rien parce qu'en haut j'étais bloqué, je savais pas quoi faire. Mais j'ai réussi à y aller, donc voilà, si vous voulez essayer, n'hésitez surtout pas. Donc si je me souviens bien, j'étais genre près du baf et je voulais faire des kicks en illimité. Parce que voilà, avec vous pouvez utiliser votre kick en illimité normalement, mais le problème c'est que ça bouge un peu. Donc voilà, j'avais cherché après un endroit à regarder pour pas que ça bug. Donc j'avais regardé mes pieds si je me souviens bien, et puis bam, je me suis retrouvé en haut. J'avais rien compris, mais là j'arrive plus à le refaire. Donc voilà. Hein. Alors pour ceux qui ont le strike pack, bien sûr, évidemment. C'est cheaté parce que vous allez pouvoir programmer votre strike pack pour que le chi se fasse en illimité. Après, il suffit juste de regarder un bon point, genre par terre, quoi, pour pas que votre personnage voyage trop de gauche à droite. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas, hein, vous allez tomber du glitch et vous ne saurez pas le faire en illimité. Voilà, tout simplement. Alors, j'arrive pas à remonter, ça me fait un peu chier. J'aurais bien voulu vous le montrer. Oh, où est-ce que je suis? Oh, motherfucker, je suis tombé. Je suis carrément tombé. Ok. Donc, faut faire super attention parce que si. Donc, là, quand vous faites le glitch, vous vous retrouvez là. Là où je tire. Ok. Si vous continuez, vous pouvez aller jusque-là. Mais après, vous allez tomber dans le pot de fleurs. Et là, bah, vous serez bloqué dans le pot de fleurs. Et il faudra tout simplement aller près d'un zombie pour qu'il vous tape. Donc, là, bah, apparemment, je viens de découvrir qu'on peut se mettre ici. Bon, je pense. Ouais, je pense que je suis bloqué ici, hein. Je pense pas que je vais pouvoir m'en aller. Donc voilà, j'ai essayé de me ressortir d'ici, mais impossible, impossible de sortir de là. Par contre, j'ai trouvé un truc assez intéressant, genre ici. Regardez, ça fait une sorte de... Bah, le petit coin là, tout simplement le petit coin là. Oh, carrément. En fait, tous les zombies se mettent de l'autre côté en fait. Regardez, quand je tire, je les touche. Vous voyez? Ça c'est abusé, ça déchire. Je tire à travers le mur, quoi, tout simplement. Et en fait, ben, si vous avez un strike pack, vous vous mettez comme ça. Et vous,
Donc faut essayer d'arriver à se bloquer. Donc tout à l'heure j'avais réussi à me bloquer. Bah là j'y arrive plus. Ah ah ah, attendez un peu, il faut que je regarde un truc. Je pense que carrément si je me mets ici. Ouais, les zombies, carrément les zombies rollers viennent de l'autre côté et meurent automatiquement. Vous voyez, et ça me fait aucun dégât. Ils meurent tous automatiquement. Et là, je sais que tout à l'heure j'ai réussi à me bloquer. Donc je pouvais faire mon tir en illimité. Ouais, bah même ici en fait, je peux même le faire ici. Enfin, faut se bloquer avec cette sorte de fenêtre, quoi, tout simplement. Donc voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, là c'est bon, là je suis bloqué là. Ah, quoi qu'il y en a, je bouge encore un peu de gauche à droite, ça va pas. Bah, il faut trouver le petit. J'avais réussi à le trouver, mais je le retrouve plus. Oh, au pire, vous mettez ici. Mais bon, les zombies peuvent vous toucher ici, je pense. Ouais, ouais, là ils peuvent vous toucher. Donc, ouais, le mieux c'est de se caler ici à droite, quoi. Mais j'arrive plus à le faire. Enfin voilà, j'y arrive plus, donc tant pis. Mais regardez, vous voyez bien que tous les zombies vont de l'autre côté. Donc ils passent la porte et puis après ils se mettent tous là. De l'autre côté. Vous voyez. Par contre, si je me mets ici par exemple, bah là ils vont tous venir devant moi. Voilà. Et je pense que bah, les ninjas, hein, c'est pareil. Hein, si vous allez ici et qu'il y a un ninja derrière, il n'arrivera pas à vous toucher. Donc voilà, vous êtes invincible grâce à ce glitch. Donc tout simplement, hein, quand vous êtes à la platine de DJ, pour venir ici, bah, vous avez juste à regarder le fauteuil. Merde. Vous regardez le fauteuil et puis après, vous faites un coup de chi. Et voilà, de chi ultime, de la grue. Et voilà, normalement, ça devrait aller tout seul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo bah, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao, peace.